pendant temps ça parti politique Petit Dessalines annoncé pour 17 octobre Cap de Venila une journée manifestation dans 10 départements pays à objectif mouvement ça guerrier c'est pour exiger gain bonjour lumière qui fait sous dilapidation fond pétro caribéen non c'est parlementaire là qui croit situation pays gain pour le pays difficile fait qu'on a toutes des conditions réunies pour Haïti qu'on a et un goudou politique Moïse Jean-Charles Amico Original Rémy. Les 17 cabinets là, quoi le goudou politique qui passe dans le pays. Ce n'est pas nous qui avons fait, ce n'est pas nous qui avons fait, mais c'est le journal Moïse lui-même qui peut occasionner, parce que je dis, nous avons un déficit budgétaire, 25 milliards de gouttes. Là, nous avons un déficit de 25 milliards de gouttes, c'est mauvaise gestion, c'est corruption qui fait, c'est gaspillage de l'État. Et encore, même pas de gaz dans la région, imaginons, c'est pas 10 jours dans la machine. Qui donc, dollar va continuer à monter, la vie, je ne sais pas, augmenter dans le pays, et ça fait dans l'occasion de ça, avec une manifestation dans l'Ouest, dans le département civil pays, nous faisons constater, dans nos pays, on pense qu'il y a une confiance en quoi nous entendons, et puis tout, les 14, dans le plateau central, nous cadrons un gros rassemblement sur la chambre de Péatlan pour nous parler avec le pays. L'un parle de goudou politique, ça veut dire qu'il va dépasser ce qui est passé si c'est bien dans le pays. Goudou politique là, lui causer pas qui, pas pouvoir. Moun yo tellement dans le goût, moun yo besoin de passeport pour joindre, moun yo besoin pour payer en ambassade, pas capable. Moun yo besoin pour payer au niveau mairie. Moun kap travail avec collectivité, yo, kazek, yo pas jamais touché. Et vin prévoir tout, gaz va le monter encore, tola va le monter encore, tout bagage va vin pire dans le pays, ça va le tourner sans relé, on kachou pour une belle politique. Et là, ça, c'est pas nous qui sommes ça, mais c'est Jovenel Moïse qui est ça. Nous allons prendre le temps, nous allons parler facile dans ce temps-ci. Nous allons parler facile. Nous parlons le moment à demander ça. Parce que moi, le peuple a pris aussi comme tout le monde par Savel, mais les 17, c'est ouvrier, c'est petit de Saline, c'est le monde qui n'a bataille pour question. Faut que tu caribéen, yo tout pas le fait, on seul. Et là, ça, tout le monde qui est dans la classe moyenne, le monde qui est dans la misère, nous croyons que à partir de 17 octobre, c'est un véritable levé campagne généralisé et dans tout le pays. Il y a 100 débats avec le travail de Béosou, il va organiser tout dans le département d'Ouest, les 17 cabines là. Dortelis family. Et puis, on a parlé des forums, peut-on tenir des procès complexes à l'intérieur d'un système judiciaire défaillant, c'est thème prochain forum. Non, donc, enregistré jeudi, c'est à 4h, dans le studio au Caraïbes FM. Intervenant, c'est M. Jean Wilner, Morin, juge d'instruction dans le tribunal Port-au-Prince, c'est tout président à la main. Et puis, gagné M. Jean Bergeman Berrette, avocat, secrétaire l'ordre, avocat, barreau, Port-au-Prince. Émission, ça a passé demain, samedi, mais l'a pas enregistré après-midi, dans un local, nous, là, dans Radio-Télévision Caraïbe. Si vous voulez participer dans assistance là, ou capable de briller dans 3702-8352. Voilà. Et puis, Romel Pierre, animateur. On va parler de finances, 48 milliards gouttes, c'est quand c'est l'agent administration générale douanier prévoit collecter comme recette pour exercice 2018 à 2019. Et pour atteindre l'objectif, ça, la douane décidé déployer tout moyen pour freiner Zaka contrebande à corruption sous toute ligne frontière entre Haïti et République dominicaine. Directeur général douane, nouveau directeur général douane, Romel Bell, le micro, Orfa des Sous Batelmi. Là, il y a un contrebande, c'est vite tout le monde qui est en jeu. C'est pas vite, pas seulement. C'est tout le monde. Parce que contrebande, non seulement, on perd l'argent, mais c'est pas seul l'argent qu'on perd qui est important. Il y a l'autre barrière qui a pour être dans le pays à tout, qui passe la douane par le contrôle. Parce que contrebande, par définition, c'est toute marchandise qui passe en dehors de la douane, qui va passer dans la douane. Si une marchandise passe dans la douane, il n'est pas contrebande. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une marchandise qui est entreposée dans une base, dans un terminal, qui traite, si il traite mal, qu'on y a son lot de bagaille, il n'est pas bien traité, mais il n'est pas contrebande. S'il manque de payer, il n'est pas manqué de payer, mais il n'est pas contrebande. Contrebande, par définition, c'est tout ça qui passait en dehors de la douane. Par exemple, ouais, il parlait plus de contrebande, c'est sous frontière. Et m'a dit mon bagaille. Moi, je parlais de ça que les marchés fourmis. Marché fourmi, c'est un thème qui définit dans tout pays qui se pays pauvre, ou pas venir marché fourmi dans la frontière Canada, ou pas venir dans la frontière Canada avec États-Unis. Parce que c'est deux grands pays. Mais on veut marché fourmi plus, tant qu'on revient à Haïti, c'est
domaine, ou à venir marcher pour mine dans le pays africain, par exemple. Dans le continent africain, ou à venir que, on sait des pays qui ont des frontières, ils ont marché pour mine là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on sait des mounes, c'est pas moun qui passe avec ni un camion, ni un trailer, non, mais on sait des mounes qui passent, prennent un sac de riz, par exemple, un caisse d'huile, un sac de farine, un sac de bail, quelconque, et puis ils prennent les points, et puis ouais, sous frontière, ouais, ils ont activité. Moun ça, bon sac, moun ça, bon sac. Et puis, l'on regarde, et puis, devant, ils font camion avec. Mais, l'on tape garder, ou te reste un monde qui te constate bagaille non mais ou pas d'imaginer si qu'a font camion et mais ils prend toute bagaille ensemble ou ils font camion donc ça rentre dans cadre contrebande dans tout mais c'est bon bagaille qui est aussi facile sous frontière dans pays tant que pays d'Haïti ou qu'a dit ou après combattre à 100% nous qu'a réduit et je dis à nous baiter nos missions si nous pas arriver à la vérité totale là même au pied de la vérité pour nous arriver et nous connaissons ça nous dire moi même personnellement on pas qu'a baiter mes moyens c'est d'état capable moyen disposé au point de déjà par rapport à président république là par rapport à premier ministre par rapport à ministre national pour nous gagner moyen pour aller travailler pour nous combattre contre les bandits véhicule par exemple ou gagner plus policiers avant ou gagner corps spécialisé que nous gagner dans douane créer les brigades de contrôle et de surveillance la douane c'est une institution qui a un code déontologique qui a la loi qui régit et la loi ça c'est pas douane qui fait prendre bien ça m'abdou ce sont des lois qui votent dans le Parlement. Et nous-mêmes, c'est exécutant que nous y est. Nous exécuter ça, la loi dit pour nous faire. Nous faire exactement sans retirer, sans mettre. Pas gagner une institution qui a fonctionné sans y pas gagner loi là-dedans. Comment ça a payé 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de gouttes même pour un conteneur. Ça va pas dépendre de qui sont portés. Là, comment j'ai dit, il paye 680 000 gouttes là. Quand on parle avec un bâton de bord de vente qui dit que 680 000 gouttes, tu as dit techniquement, mais pour qui ça, il paye 680 000 gouttes. Est-ce que c'est un geste zamita ou bien reconnaissance tout simplement décision l'État vénézuélien pour bailler C3NT à plus passer 250 Haïtiens qui vivent dans le pays Venezuela? C'est président Nicolas Maduro lui-même qui fait annonce là pendant une rencontre qui était gagnée avec migrants qui soutiennent dans différents pays qui vivent sous territoire. Décision li prend en cas d'un arrêté qui concernait 8331 migrants qui soutiennent dans plusieurs pays et qui Vicuelela, dans le pays Venezuela, dans liste migrants qui bénéficiaient citoyenneté ou République bolivarienne, à côté Haïti, nous joignent 5781 ressortissants pays, Colombie, 390 Péruviens, 207 Équatoriens, 117 Chiliens, 56 Italiens, sans bailler plus de détails sous raison de décision ça, Nicolas Maduro, avant de quitter Caracas pour participer dans 73e Assemblée Générale Nations Unies, hein, expliquer chaque 2 mois à gagner un nouveau immigrant qui a augmenté les bénéficiaires mesures naturalisation ça dans le pays Venezuela côté Jean-Nosili gagné 253 Haïtiens qui vivent Venezuela qui désormais gagné citoyenneté pays Venezuela. Un atelier consultation tamen hier sur proposition de loi qui vient pour avec couverture universelle santé, loi ça devrait permettre à tout le monde une assurance santé d'après Calmura Cantave. Reportage Lydie Alexandre. Permettre plus monde bénéficier d'un soin santé, c'est objectif proposition de loi président commission santé dans Sénat. Nouveau système assurance santé a fait dans l'idée pour diminuer quantité cob monde qui plus vulnérable a besoin pour à l'hôpital, mais tout augmenter taux assurance là à 60% d'après Calmura Cantave. Et la Tibonitlan a retourné sous avantage 4 assurances. C'est une loi qui permet que chaque haïtien ait 4 assurances santé dans le pour fréquenter n'importe quel hôpital privé ou public pour lever barrière financière. Ça. Donc, on vient avec question assurance là pour que n'importe qui haïtien qui a un problème, qui est au départ assuré, il n'a pas besoin de s'assurer dans le fond mal la carrière pour l'hôpital, mais la paraître, la prend soin et l'elfine prend soin. Après, il a payé. Mais à côté de cette loi sur la couverture universelle en santé, nous nous disons, même si on éjecte des fonds au niveau de ces institutions, faudrait-il qu'on fasse un effort de réforme pour une révolution au niveau du secteur santé. Remarquez, nous n'avons pas d'hôpitaux dans ce pays. Nous avons des morts, nous avons des cimetières, nous avons des mouroirs, mais nous n'avons pas l'hôpital. Pour tout le monde qui a des moyens, il y a à l'étranger. 4 assurances santé après le diviser en deux parties. Nous avons cité déclaration Carl Mura Cantave. Il y a un régime qui a contribué à qui un régime qui n'a pas bâillé en Yota. Côté l'agent qui prend le service pour financer le système assurance en absolu.
Haïti. Yon Fonds National Appui Santé pral créer pour ça, Sinkakwe parlementaire. Schéma contributif là, tous ceux-là qui travaillent doivent contribuer, doivent payer pour avoir leur assurance. Mais ceux-là qui ne travaillent pas vont faire partie du système non contributif. Ils n'auront pas à contribuer, mais à partir de au fond, il y a les Fonds NASA, Fonds National d'Appui à la Santé qui prévoit en dans loi, eh bien, il y a pour rentrer en côté dans n'importe quelle institution, il y a pour un service et le fonds va payer. Consommer et le fonds paiera pour vous. Ça, dans 10 premières années, on a commencé avec des groupes cibles, tant que les handicapés, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les vieillards, les étudiants, les élèves et les chômeurs en situation de responsabilité. 4 assurances ça qui portent nom couverture maladie universelle a gagné une phase pilote pour yon dire 10 l'année. Tant ça pral servi pour analyser erreur et puis porter correction. Système assurance ça pral disponible dans l'hôpital public ou privé. N'a souligné proposition loi ça qui gagné 7 chapitres déjà déposé dans parlement haïtien. Lydie Alexandre, Caraïbe FM. Merci un peu, Lady Alexandre. Nous pas guetter rentrer dans détail mémoire d'homme ça que ministère de la justice voyé par commissaire gouvernement bon côté tribunal première instance en République là sur question insécurité foncière donc n'a cap marché voler témoin. OK, donc ministre de justice là qui dit même adressé là avec commissaire gouvernement yo pour demander yo plus prudence hein dans exécution que y a gagné pour signer yo et en tout cas ministre là li servi avec dernier dossier ça qui vient pour avec madame Odette Wafoboin qui lui-même gagne menace de possession sous dol sous yon terre li gagne depuis 84 l'année dans la boule 12 donc individu qui venait pour mettre le dehors sous et donc son problème qui vraiment grave hein donc ministre justice là qui yo même qui lui-même mandé à chef parquet yo pour que yo assurer un contrôle sous procédure et formalité avant yo bail exécution pour toute décision par défaut. Donc, on a gagné pour nous parler de sujet ça lundi matin dans le prochain journal long. Et on a gagné pour nous parler tout avec Maître Limon Jean-Paul qui lui-même a gagné pour intervenir sous question ça dans nos missions citoyennes pour la défense des droits humains MICID. Directeur départemental sanitaire OS là dans tête yon délégation visité plusieurs centres santé dans commune Cabaret yon visite pour aller chercher renforcer estricti sanitaire d'après docteur Benesh Martial qui t'est profité distribuer kit énergétique dans différents centres sayo reportage Jean-Georges Blaise. C'est centre santé 4e section Casal Axa qui dans ville Cabaret qui recevoir visite membre délégation départementale sanitaire OS là docteur Martial Benesh qui dit l'état chercher qu'on est qui j'en différents centres ça va bouger fait qu'on est visite ça rentrer dans cadre pour chercher renforcer structure sanitaire dans pays et puis tout chercher améliorer qualité service soins santé. C'était une occasion tout pour dirigeant des SOA distribuer panneaux soleil by équipe médicale là principalement dans Casal côté gain pile manquement d'après personnel santé. Docteur Benesh pendant visite ça pour mettre pour continuer accompagner centre ça qui énergétique ça ou est là pour nous permettre que et yo gagne batterie yo gen panneau solaire, gen inverter pour permettre qui ça, pour permettre que laboratoire fonctionne, examen de base, examen de routine yo capable faire. Pas oublier que l'on casal ou pas qu'à joindre un hémogramme complet, ou pas qu'à joindre un test d'urine, ou pas qu'à joindre un glycémie. Donc malade là, médecin qu'on a difficulté des fois pour orienter ou bien pour confirmer ou bien infirmer en impression clinique que le gagne. Liste revendication pas petit dans centre santé sérieux qui toujours fait face à problème matériel côté médecin infirmier à ferraille avec Boutzongyo, semblier moun dans section communale yo qui obligé en pile fois descendre la ville pour aller timou sous la santé. Là encore, directeur départemental sanitaire l'Ouest là a tenté rassurer équipe médicale Casal. N'a pas l'accompagner yo, donc n'a metté intrant yo disponible yo même pour yo mieux gérer et nous pral rivé tout refaire visage centre ça. Par exemple là on regarde gens mis en mauvais état clôture là, donc nous pral regarder comment et nous pral améliorer condition moun y a travail là pour permettre que population jeune en meilleure soins santé. Quand il y a grand bois taille fait et puis tout ce matin 2, c'est zone cap Paris pour recevoir prochaine visite membre délégation ça d'après docteur Benesh Martial qui gère épidémie choléra
travailler actuellement dans la commune Cognon, responsable DSO a expliqué. Situation listable, lundi listable, pas de monde qui mourit, pas de flambé en diminué, c'est-à-dire nombre de cailloux a diminué chaque jour. Donc, nous, qui avons une équipe Emira qui l'autre bois, qui c'est équipe mobile d'intervention, et que le département gagne, ministère en PIO, donc pour être capable de flambé, aller sur le terrain, et bien pour couper chaîne de transmission. Couper chaîne de transmission, vous dit qui ça? Pour les gens qui gagne déjà pour traiter, mais et tout pour le faire ça et l'on code sanitaire, la caille mounzaou dans la zone côté liée, et bien pour faire simio prophylaxie, et puis bah au moyen pour traiter de l'eau, puisque nous connaissons choléra, c'est une maladie de mauvaise hygiène que lié. N'a pas rappelé, épidémie choléra qui cause en pile victime pendant des derniers jours ça y est. Dans zone ça, c'est une parmi dans l'autre chargé moun Cognon Grand Bois qui a fait face à problème route presque même gens à habitant Casal dans cabaret qui souhaite l'état central pencher sous soyou. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. Merci Blaise, toujours dans chapitre santé dans Bénin, département sud-est pays, agent communautaire polyvalent dans région ça a dénoncé mauvais conditions travail puisque yo gagné 12 ans depuis 2006 y a pas travail sans yo pas jambe nommé demandé responsable de santé publique yo intervenu dans situation yo yo tenant micro nous invite au côté Barreau Jean Gilner ak Benjamin tout ça capoter plus de précision concernant situation agent communautaire dans Bénin. Communautaire depuis juillet 2006 à date avec un perpétuel contrat. On dit nous mandés journée aujourd'hui ministre santé publique là, à la personne de madame Greta Roy, pour les pencher sous cas agent de santé Bénin yo, parce que yo gen 12 ans y a travail sous contrat. Et journée jodi a nous vle lancer un cri d'alarme pour ministre santé publique là, nommer tout agent santé nous yo, et nous gen 3 l'autre agent de santé qui prend formation, qui certifié par le ministère jusqu'à présent qui peut intégrer dans le système. Nous avons demandé pour prendre revendication ça pour nous en charge parce que nous faisons plaidoyer soutenir la commune, aller dans le département. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune réponse. Donc, c'est ça qui fait nous passer dans Radio Caraïbe pour nous faire tendre voix. Nous. Nous sortons dans une zone encore et puis nous c'est combien agents de santé communautaire? Nous sortons dans la commune Bénin. Commune Bénin, nous gagnons près de 42 agents de santé qui travaillent sous commune. Et il y a 9 sections communales, côté agents eux-mêmes qui fait activité communautaire. J'en comprends, nous sortons depuis 2006, nous travaillons sur un contrat et année ça, nous faisons un travail sans contrat. Sauf que nous ne savons pas qui est-ce qui paye nous avec qui est-ce qui va payer nous. Fois ça, nous décidons, nous arrangeons nous en association. Depuis 2015, nous arrangeons nous en association. Et maintenant, nous tenons à ce que pour revendication, nous arrivions tout bon vrai dans les oreilles ministre de la Santé publique. Là. Et maintenant, ce que nous gagnons pour nous dire à ministre de la Santé publique là, et à département sud-est qui attendait nous là, nous tiens à ce que pour nous...